Hey, bien bonjour à tous et bienvenue pour l'ULP. Ça fait très longtemps. Moi, bah en même temps, j'avais besoin d'un petit peu de vacances. C'est pour ça que je me suis un peu déconnecté, mais je vous prépare quand même un petit épisode de LP pendant ce temps. Ouh, du bass metal, du nickel, ouais. Alors, du coup, ici, t'as avéré que j'ai essayé avec un mod de faire un petit système de setup ici, de on prend le haut, qu'on referme, comme j'avais fait en fait dans le LP saison 1, sauf que j'avais pas d'underpearl. Bah oui, je n'ai toujours pas d'underpearl, donc du coup, je peux pas faire ce que je veux. Donc, du coup, ce que ça a donné, c'est que j'ai tout laissé de base et en dessous je me suis fait une salle. En fait c'était pour Storage Network. C'était un mode super très, c'est super bien. Sauf que je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à insérer dans un coffre, extraire d'un même côté, rentrer dans des fours, le cuire, le. Alors qu'on met des filtres partout. Alors du coup, bah, j'ai laissé tomber, j'ai tout détruit, j'ai passé une journée entière à savoir pourquoi le mode fonctionnait pas comme je voulais. Du coup, bah, je lui ai fait comprendre qu'il aille se faire foutre. Voilà. En clair, hein, il faut dire ce qui est. Du coup, ce que j'ai fait, je fais une petite mise à jour de mode et j'ai découvert un mode que j'avais déjà installé depuis un bail, qui est un mode assez. Il va faire nuit. Oh. Allez, exceptionnellement, on va faire un time 7-0, hein, parce que YOLO, hein, déjà. J'ai envie que pour la vidéo, j'ai pas la nuit. Alors, c'est un mode que j'ai installé. Y a voir si j'ai ça? Ah ouais. Moi, je peux les récolter, du coup. Un mode que j'ai installé, du coup. Il y a déjà un petit moment, à mon avis, au lancement du LP, parce que j'ai pas fait ce qu'il faut. C'est un mode en fait que, par exemple, avec la hache en diamant, bah on coupe le bois, vous connaissez le principe. Voilà, et ça dépop facilement. La chose qui me paraît bien et très cheatée, il faut dire ce qui est, c'est par exemple quand vous avez un arbre. Hop, on va aller par là. On va aller chercher un petit arbre là, le jungle, parce que c'est grand, c'est beau, c'est chiant à couper, hein, il faut dire ce qui est, c'est vraiment chiant. Oups. Les petites abeilles, c'est bien gentil aussi, mais ça fait mal. Vous prenez votre hache et vous taillez. Voilà. Alors bien sûr, ça fait quelques petites latences au niveau du cerf, mais voilà. Hop. Ça continue. Et voilà, il a tout coupé pour une utilité de 1 sur la hache. Donc oui, c'est cheaté, hein, il faut dire ce qui est. C'est un mode très cheaté, la preuve. Et en même temps, ça s'auto-replante. Je trouve ça tellement cool, c'est que ça auto-replante l'arbre en dessous. Donc du coup, bah, d'un côté, c'est bien. C'est cheaté, il faut dire ce qui est. Hein, la preuve, les grandes arbres, bah, ici, il n'y en a plus trop. Et voilà, en fait ça coupe vraiment tout. Ah, ça donne poison ce truc. Ah bah oui, c'est des jungle. En fait, elle me pique plus qu'autre chose. Donc bon. Vous voyez, ça coupe absolument tout et ça vous redonne tout le bois. Donc ouais, c'est vachement cheaté en fait, il faut dire ce qui est. Bon, après, il y a quelques petites erreurs comme ici, hein, mais bon, ça, on n'y peut trop rien. C'est pas trop un problème. Il faut juste couper en fait, et puis tout va bien. Voilà. Donc, ouais, c'est un mode quand même assez pété. Il faut dire ce qui est. La preuve, hein. Ah oui, hein. Oui, ça fait pas semblant quand ça coupe les arbres. On dirait un nuage Sheeran en fait, la version. C'est cool d'un côté, hein, mais ça coupe quoi. Voilà. Hein. Désolé les abeilles, je passe. Donc ouais, c'est un mode super bien, mais il coupe tout quoi. Donc si vous avez une maison en bois, je crois qu'elle y passe. Hein. Ah oui, d'accord. J'étais en train de me dire, il a coupé quoi. Mais voilà.
Mais c'est un mode super bien. Hein. Si vous en avez marre de tout simplement de tailler vos arbres parce que c'est d'une lenteur. Voilà, il vient de tout tailler. C'est une lenteur pour déforester une jungle, c'est très pratique. Hein. Je vous le conseille, hein. Mais voilà. Faudrait aussi que je mette à jour les mods hein, pour vous parce que vous me le demandez depuis un petit moment. Et bah comme j'ai pas de crash en fait, si j'en ai peut-être eu un il y a pas très longtemps, c'est pour mettre les mods. Mais justement, je vais faire quelque chose qui est plus simple parce qu'il y en a beaucoup qui aiment pas rajouter des mods et chez eux ça crash, etc. Et bah ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les configs et mods que j'ai. Comme bien piqué, ah oui. Et du coup, bah comme ça, j'espère que vous serez content que je vous donne directement un accès aux mods et aux configs que j'ai. Ça évitera tout simplement. Eux, ils piquent, même ils s'en foutent, hein, ils piquent réellement. Directement un mode config pour que vous soyez content. Après, à vous de faire en sorte que Forge soit compatible et que vous l'installez côté client ou côté serveur. Bien sûr, côté serveur, il y a des modes qui sont client only, donc faites très attention à ça et rajoutez trop d'autres pour du serveur. Voilà. Une bonne petite pomme pour la vie. Du coup, du bois, jungle ici, cacao, machin. Des pommes, c'est de l'autre côté. Ici et là. Alors, du coup, jungle, tac-tac, j'ai des bois, j'ai tout ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Du coup, alors, j'ai pas beaucoup avancé, il faudrait que j'aille miner, ce genre de choses, mais c'était assez chiant. Du coup, dans le Nether, j'ai pu récupérer en fait un métal super classe, qui est l'adamantine de base métal, qui est une très bonne protection au niveau des armures. Et notamment au niveau des pioches. C'est la pioche en diam, ça avec ses 1500 de durabilité. Et celle-ci, c'est 3200. Donc du coup, vous mettez un homme brick dessus, etc. Et vous êtes plutôt content. Également, au niveau de la Cori, j'ai pu faire son petit coco habituel. 60. Je lui ai déjà mis tout le combustible qu'elle voulait. Hein, très clairement. D'ailleurs. J'ai même l'impression qu'elle merde. Parce que je pense que sa cocotte va pas. Voilà, dans le programme, en fait, ça veut dire que vous devez placer un under chest dans le slot 2, qui est ici. Cependant, un under chest, il faut de l'under pearl. Et l'under pearl, eh ben j'en ai pro. Voilà, sinon il faut obtenir ceci. Vous avez 10% de le drop, mais quand vous l'avez dans la main, ce qui est très bien. Un côté, c'est que ça vous donne 3 underpearls. Donc du coup, bah, c'est plutôt pratique. Il faut juste avoir un Enderman. Et bien sûr, un Enderman, j'en ai un, mais dans les souterrains. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'en chercher un. En espérant que il soit gentil. Oh, du fer. J'ai besoin de fer, donc du coup, c'est plutôt pratique d'en avoir. Et c'est pas un petit filon de merde, hein. C'est ça qui est cool. Je vais peut-être vous mettre de la torche pour que vous soyez plutôt content. Underman. Ouais, vas-y, gueule un petit coup. Hop. Alors. Tac, tac. Alors, on fait ça. On fait ça. Il y a des belles choses, hein, par ici, finalement. Ah ouais, nous avons une belle crevasse. Nous avons un beau squelette aussi. Et feu! Ah bah hop, descend. Lui, il faut le taper ici.
Donne-moi une putain. Voilà, Thunderperle. Au moins j'en ai une. Il m'en faut deux autres. Non, il m'en faut une de plus. Si possible d'en avoir deux, ça serait cool. Ça m'arrangerait pour éviter d'aller chercher à droite et à gauche d'autres Enderman. Comment allez-vous en dessous? Ça va, easy. Ouais, tranquille. J'adore les bugs de lumière, c'est toujours agréable. Nous avons une witch. Une wizard witch. En fait, elle vous balance des potions de wizard, tout simplement. Elle porte bien son nom, cette connasse. Elle est gentille, hein, si vous l'avez, parce qu'elle peut vous donner des potions assez bien. Mais par contre, si vous l'avez un petit peu dans le dos, un chat apparaît. Et ce chat-là peut vous défoncer littéralement la gueule en armure ou pas. Donc du coup, vaut mieux l'avoir à ses côtés. Bon, bien sûr, hein, ce qui n'est jamais chose simple. Des petits lags par moment. Ok. Ah, il y en a un autre. Voilà. Tu vois, je t'avais dit que tu ferais pas trop l'effet de loin. Couché, Anna. Brave bête. Alors, nous avons des belles galeries. Hein. Il faut dire ce qui est. Elles sont plutôt pas mal. Ça change par rapport à ce que j'ai connu dans l'ancien LP. Faut dire ce qui est. Hein. Faut dire ce qui est. On a des belles galeries, je voudrais bien des Enderman. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais déjà aller récupérer un petit peu tout le fer qui est de droite et gauche parce que j'en aurai besoin. Mais également j'irai chasser un autre Enderman pour voir s'il veut bien se montrer. Coco l'araignée. Donc de Koba, à pas tout à l'heure. Du coup, bah, j'ai trouvé mon petit bonheur, j'ai pu aller chasser à deux autres Enderman, j'en ai eu trois, donc je suis plutôt content du résultat. Du coup, on va se faire les Under Chests. Alors, il me faut des Blaze de l'Obsidienne. Alors ça, par contre, ça me plaît pas forcément, puisque l'Obsidienne... Ah si, c'est bon, j'en ai... J'ai ce qu'il faut. Il m'en faut juste deux comme ça. Alors ça on va le garder parce qu'on va l'utiliser. Malgré que ça soit un petit peu de la merde, je vais pouvoir l'utiliser quand même à bon escient. Puisqu'il va nous servir tout simplement à faire du storage et du faire des belles choses en fait. Tout simplement. Alors il me faut de la laine. Sachant que la laine... Au pire des cas j'ai des moutons à aller chercher. C'est pas trop un problème ça. Voilà, tac. J'ai ça, il me faut des blaze rods. Ouf. La blaze, toutes les 20-40 minutes, une blaze rod. Ah, il faut vraiment les capturer, les cocottes, en fait. Ou sinon, 14% qui vous donne ceci, qui vous donne normalement... Ah, des magma clumes. Oh ouais, on s'en tape un peu de ça, en fait. Ouais, bah alors du coup, il me faut encore ceci. Me faut de la laine. Alors, il me faut 3 blaze rods en plus et 2 laines. Ouais. On va les faire d'auto un petit coup. Parce que vu le mob, vu le nombre de mobs qu'il y a dehors, ça fait très peur. Faut dire ce qui est, hein. Voilà. Surtout quand il y a une witch et un wizard cat. On va éviter. Aïe, mais je vous fais pas de mal, bande de pétasses. Hey, creeper! Non, mais mon terrain! Oh, faites chier. Sleep. Ah oui, sheep. C'est un mouton. Ouais, bah de toute façon, je te récupère. Improvisé. Salut. Par contre, tu sais, ma witch, t'es bien gentil. Voilà, je
je t'ai buté. Je suis content parce que du coup j'ai eu un achievement, Kill the Witch. M'en fous, je t'ai buté aussi. Voudrais-tu manger? Non, tu t'en fous. Ouais. Bah, moi aussi, bah. Voilà. Tu vois, je peux te killer aussi. Merci pour la laine. Laine partie, bonjour. Ben voilà. Et vous voyez, quand vous êtes super gentil, les moutons vous donnez tellement de choses. Mais seulement quand vous êtes gentil. Sinon, vous êtes des vrais cons. Voilà. Bon, sinon, il faut que j'aille dans le Nether. Il faut que j'aille rechercher la forteresse. Et une fois cette forteresse faite, il faut que j'aille chercher des Blaze. Donc du coup, bah, je vous retrouve une fois que j'ai tout ça. Re, du coup, bah, j'ai équilibré un petit peu de Blaze. Je suis mort en même temps. Hein, il faut dire ce qui est, je suis mort en même temps. J'ai récupéré à peu près les mêmes XP. La bouffe a pas descendu du fait que je suis mort. Donc du coup, tout est cool, tout est cool. J'ai remis tout mon stuff correctement, comme je savais juste avant. On va prendre les Under Chests. J'ai eu 6 blazes de plus. Alors, les blazes, par contre, des fois, je me demande s'ils drop vraiment de l'XP, parce que j'ai pas réussi à avoir tout ce qu'il faut. C'est un peu chiant. Ça va, ça a pas trop morflé. Du coup, les Under Chests, on en a deux, mais il faut bien avoir un petit système derrière pour stocker tout notre bazar qui va arriver, notamment de la cobble en version quasiment illimitée. Donc du coup, il va falloir faire un bon petit chantier de tout ou ça. Hop. Tac, puis tac. Ouais, tiens, on va continuer à creuser temporairement. Voilà. Alors, de toute façon, on va se faire des tests, hein, donc c'est pour ça. Ce que je vais faire, je vais mettre mon wooden generator ici. Pourquoi? Parce que le wooden, justement, j'ai besoin de charcoal, va générer justement des RF. Ces RF-là vont servir à que le câble master qui est ici va permettre d'exécuter en fait des opérations avec des câbles, hein, qui est de storage network. Tac, tac, voilà. Ce que je vais faire, l'under chest qui est là, je vais mettre par exemple de la cobble dedans. Forcément, dans l'autre under chest, je vais avoir la même chose. Ce qui est tout à fait normal. Dedans, je vais dire que un câble qui est un e-port, je crois. Item storage cable, item export, export de item front network, une tâche inventory. Ouais, c'est ça. L'import. Voilà, il va importer. Je vais mettre en priorité 5. Je vais lui dire que, par exemple, le charbon, ça peut être pas mal. Le charbon qui va aller là, en priorité 1. Et genre, j'ai pas de charbon. Bon, l'avantage, c'est que j'ai re du fer. Alors, parce que là en fait j'ai que du charcoal. Le charcoal c'est bien beau, mais je voudrais bien dire que le charbon, le vrai charbon, soit, voilà, le coal en fait, pas le charbon, le coal. Le coal c'est quoi? C'est du charbon? Le coal, ouais, je ne sais plus. Le coal soit prioritaire et rentre là-dedans, obligatoire. Pour l'instant, le coal, je le laisse là, voilà. Ensuite, ceci dit, maintenant je vais faire en fait un système qui va faire que, par exemple, les chests vont intercoller en bas. Va me demander du coffre, hein, forcément. Voilà. Je vais avoir un chest ici, par exemple, un autre chest ici. Un autre chest ici. Voilà, une torche aussi, c'est pas mal.
Et ce que je peux faire quand les trois vont être connectés, je peux dire que ici, il y a d'autres coffres, hein, par exemple. Item storage cable, tac, tac, pouf, pouf, et pouf. Voilà. Lui disant que là-dedans, il importe seulement directement. Voilà. Ça veut dire que tout ce qui va sortir d'ici. Ah bah voilà. La preuve, il est rentré directement ici. Voilà. Donc en fait, si je mets du tin, hop, il a importé. Il va injecter ici. Donc hop, il va injecter là, puis là-dedans, puis ici, puis là-bas, etc. Donc, au niveau de ce câblage, on est plutôt tranquille. Tiens, je vais foutre tout ça là. L'andésite cable, je vais la foutre où je peux. Ici, cable là. L'under chest, bah maintenant, une fois que je l'ai, je vais le mettre là-dedans. Pouf! Et appuyer sur entrée. Ok, très bien. En fait, c'était l'entrée un petit peu trop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a fait? C'est tout simplement que quand j'ai appuyé sur entrée, ça crache directement. Donc, j'espère que Computer fait pas cracher. Parce que s'il fait cracher, je ne sais pas quoi prendre d'autre pour tout simplement faire du minage. Vu que mécanisme ne fonctionne pas. Voilà, hein. Ne fonctionne pas. Là, bah, normalement, c'est reparti. Ah non, oui, forcément. Peut-être attendre un peu qu'il démarre tranquillement le coco. Hein, je sais qu'il est rapide sur clé, mais quand même, il y a un mode en fait qui fait chier. Donc voilà. Hop, c'est bon. Il est en train de démarrer. Il a tout chargé, je crois. Ah non, il charge encore. D'accord, très bien. Il prépare le monde. Voilà, 14%, 73, c'est bon. Stop, partez. Connecté. La backup vient d'être effectuée. Alors, je vais retester. Je vais voir si ça crée un autre problème. Je vais faire sur 10 de hauteur. Ouais, ça crache. C'est bien ce que je disais en fait. Ok, donc, est-ce que parce que c'est l'under chest en question? Je sais pas. Mais en tout cas, ça crache. Bon, bah, du coup, je reviens une fois que c'est démarré. Parce que, voilà. Bon, revoilà. Du coup, donc, j'ai encore une petite solution. Et encore, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. 32, 32, par exemple 10. Je vais enlever l'underchest et j'appuie sur OK. D'accord, c'est bien Computer Craft qui fait vraiment cracher. Ça, il n'y a pas de raison. C'est bien Computer. Fuck. Moi qui pensais que ça allait bien fonctionner ce truc, mais pas du tout. Bon, bah tant pis. Je reviens encore. Hein, encore une fois. Bon, bah revoilà. Je vais essayer de trouver. Ok. Alors, juste comme ça, j'ai crash. Hein. Littéralement, quand je voulais péter la turtle, j'ai crash. Donc, du coup, en fait, il faut démarrer la turtle, péter la turtle, revenir. Et waouh, mais c'est complètement buggé. Bon, j'attends que ça charge tranquillement. Et puis voilà. Hein. Donc, c'est l'épisode du bug. Voilà, c'est l'épisode du bug. Il faut dire ce qui est. C'est l'épisode du bug. Épisode de bug de merde qui casse les burnes. Bon, voilà. Alors, du coup, oui, il faut démarrer la turtle, hein, le gros cube en fait qui te prend la moitié de ton écran. Il faut la démarrer puis la péter. Sinon, bah, ça fonctionne pas en fait. Hein, faut dire ce qui est. Bon, bah tant pis. Moi qui pensais que ça allait faire quelque chose de bien. Ma foi, pas du tout. Bon. Je ne sais pas quoi prendre d'autre, très clairement. Pour faire une turtle, non. Pour faire peut-être mining. Est-ce que j'ai quelque chose en mining? Devant cette turtle, je m'en tape un peu maintenant.
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en minage peut-être? Je sais pas, juste ça, mais ça ne va pas. Il y a le Open Computer, je sais qu'il a un système de Open Computer, un système de drone. Kickopter, d'accord, très bien. Kickopter, le machin. Ah oui, en plus il a des tanks, il a tout ça. Très bien, je sais bah du coup que Open Computer en fait il a des drones. Oh, j'adore les databases. Il y a des drones en fait qui permettent de faire comme des turtles mais en programmation LUA. Est-ce que on se lance là-dedans? Mais ça risque de prendre énormément de temps. Parce que je ne sais pas quoi prendre d'autre en fait. C'est ça le problème pour faire le minage que je veux. Je ne sais même pas si vous l'avez déjà dit. Il y a psy, le mode psy qui peut être un minage, un système de minage, mais ça je m'en fous un peu. Je veux un truc qui peut être beau en même temps, donc. Oh lol. Le système de. Bon, ça marche bien, c'est pas trop un problème. Ouais, après, un autre système, bah, y a pas quoi, je connais pas. Peut-être que je connais, mais j'y pense pas. Peut-être possible, hein, IC2, y a un truc de minage, mais c'est seulement colonne. C'est pas comme une turtle. Ah, il y a Lightning Craft que je ne connais pas. Pas de computer que je connais, Pumps Harvest je connais, RF Tools je sais même pas s'il y a un truc de minage, Live Mining de Progressive, d'ailleurs est-ce qu'il y en a un? Stud Miner, ouais c'est ça, permet de miner lui, Progressive, au pire on va passer sur du Progressive, on va voir ce que ça donne. Hein. Je suis un peu déçu. Ouais, bah on va passer sur du progressif, hein. Je vais voir ce que ça donne au niveau du miner. Bûche, four, pioche. Ok. À bûche, à four et pioche. Bah on va voir ce que ça donne. Un four, une pioche, un four, une pioche, un chest, voilà, tac tac tac, et les bûches tout autour. Voilà. Voilà, j'ai un wooden miner. Me faudrait maintenant de l'andésite. Voilà, il me faudrait maintenant une pioche cobble. Je fais ça, je fous ça. Et voilà, j'ai ma stone miner. Voilà, maintenant. Je sais pas, je vais le foutre ici, tiens. Alors, me faudrait. Alors, range 1. Let's mine a tools. Du charbon, voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. L'avantage, c'est que je peux placer du coup un under chest dessus, il le fera automatiquement. Il me faut du coup une pelle, une hache, une pioche, je veux dire. Tac tac. Il me faut du charbon. Voilà. Et need cobble. Ok. Mining. Andésite.
Voilà, l'Under Chest est là. Pourquoi l'Under Chest et ici ne le prennent pas? What? Voilà, il le prend. Donc du coup, c'est en train de miner. 60 sur 65. Trouve du basalte. Oh, ça va, c'est plutôt sympatoche comme système en fait. Lui, il permet en fait de tout simplement faire des opérations. Et le coal, bah, il peut aller là en fait. Je peux même dire que là-dedans, ça weakless tellement le call. Voilà. Finished. Ok. Alors, j'ai pas tout compris. Alors, est-ce que parce qu'il me dit finished, il a déjà trouvé ce qu'il avait en dessous de lui? Ah oui. Genre, on peut aller dessus, d'accord. Alors, ça voudrait dire que là, je mets ça, ça, ça. Je mets de la cobble. Oups. Je mets le truc dessus. Et normalement, bah, ça va miner tout ce qu'il faut. Ah ouais, je suis à la hauteur 68. Alors, en fait, il va miner tout ce qu'il peut à la hauteur 68. Ok. Oh, bah, ça va. C'est plutôt sympa. Franchement, on va se laisser sur cette note de. On va dire de bonheur, hein, il faut dire ce qu'il y a. On va se faire des upgrades assez cool au niveau du miner. Du coup, la range bah, là c'est de 1 seul, donc 1 seul ça veut dire en dessous de lui. Ah oui, du coup, il a tout remplacé par de la cobble, très bien. Ça va miner tout le temps en fait en dessous de lui. En fait, il faut énormément de cobble. Je vais faire un générateur de cobble parce que, bah, parce que il faut de la cobble. Tout clairement. Et bah du coup bah c'est cool. Non franchement c'est sympa comme système. Franchement c'est sympa. Il y a de l'idée. Franchement il y a de l'idée. Ça coûte juste assez cher en cobble, en stone, et puis ici en fer et puis là en diamant. Wither Grid, très bien, normal. Multiple range by 64. Ok, très bien. Du coup, voilà. Et là, bah, il peut pas trop plus parce qu'il a pas assez de cobble. Hop. Voilà. Il continue le mining jusqu'à la fin. Voilà, 66. Finished. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Nous on se laisse là. Du coup, bisous tout le monde. On a récupéré pas mal de choses. Le charbon est toujours là. On n'a pas trouvé d'autres. Bon, ça va. C'est plutôt sympa. Voilà. Allez, bisous tout le monde. C'était EP pour bah, du LP. Je trouvais même plus le mot. Bisous, bisous.